Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Aujourd'hui dans Tone Factory, on vous emmène à la rencontre de 4 musiciens. Dan Nambotin, 35 ans et je joue de la guitare basse depuis 20 ans. Je m'appelle Emmanuel Rodier, je suis musicien, guitariste, depuis professionnel depuis 1998. Guillaume, saxophoniste depuis 25 ans. Patrice Birochon, pianiste depuis bientôt 30 ans. Ces musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vont partager avec nous leur vision et leur passion de la musique. J'ai commencé en rentrant au lycée, des potes qui cherchaient un bassiste dans leur groupe de métal. Et je me suis proposé de le faire et c'était mon premier groupe. Donc j'ai appris tout de suite en groupe. Non, je suis autodidacte, j'ai jamais pris de cours. Et j'ai appris, c'est ça mon école, c'est d'avoir joué avec des groupes en fait, tout le temps. Bah, ce qui m'a donné envie de jouer de la guitare, c'est tous ces groupes british de Deep Purple que mon père écoutait quand j'étais tout petit, Pink Floyd et Queen. Donc j'ai grandi avec ces trois références, on va dire. Il y a pas mal de guitares dans ce genre d'album, donc c'est ma première expérience découverte musicale de David Gilmour, de Brian May, de Ritchie Blackmore, puis après beaucoup d'autres, mais ceux-là ont vraiment été le point de départ de mon envie de faire comme eux, quoi. J'ai commencé le saxophone en conservatoire, je devais avoir 7-8 ans, à peu près, l'âge auquel on peut commencer, je trouve. J'ai commencé par la trompette, la musique, une année, c'est une autre technique, la trompette, je suis passé à autre chose, je suis passé au saxophone assez rapidement, et puis et j'ai fait mes années de conservatoire, du coup, ça s'est enchaîné. À partir du moment où j'ai commencé le saxophone, ça s'est pas arrêté. En tout cas, jusqu'à mes 16 ans, année à peu près, période à laquelle d'autres choses m'intéressaient. Donc petite pause de musique avant de reprendre sérieusement, très sérieusement après. Je pense que ça a débuté dans la famille. Il y avait un piano chez un cousin. Et j'ai des bribes de mémoire comme ça, où ça m'intéressait, je voulais savoir ce que c'était. Donc je suis allé pianoter et c'est tout dont je me souviens. Ah, ça n'a pas été le jazz tout de suite. D'abord, je suis passé par le classique, comme tout pianiste. J'ai commencé à 7 ans avec un prof, tout ce qu'il y a de plus normal, à apprendre les bases. Après, ça a été la pop, la découverte de groupes comme Queen, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses, les accords. Et après, il y a eu une étape, je veux dire, plutôt vers l'adolescence, où il y a eu un passage vers le style jazz. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'a amené vers le jazz? Alors oui, il y en a un, pas particulièrement. C'est Michel Petrucciani. Ça m'est tombé dessus, on va dire. J'étais en voiture pour aller au travail et je crois que c'est le jour de sa mort. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je le connais pas. Donc j'ai mis un CD et depuis, je suis devenu fan. Fan, je ne sais pas si c'est un peu fort. Je veux dire, ça m'a passionné, ses envolées lyriques. Sa technique, tout m'a subjugué au début. Voilà. Pendant 6 mois, j'ai écouté ses albums, et pendant 6 mois, j'ai arrêté le piano. J'ai arrêté le piano et je me suis dit, mais ce sont des accords, des harmonies que j'ai pas l'habitude d'entendre, des frottements de notes, des déplacements harmoniques qu'on ne retrouve pas dans la pop. Et à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a qu'une façon d'apprendre ça. Je ne sais pas pourquoi, j'en étais persuadé. Il faut que je me mette devant mon piano, et que j'essaye de reproduire ce qu'il fait. Et alors, depuis, ça a toujours été ma technique pour apprendre la musique. D'essayer de reproduire à l'oreille. Oui. Ouais. Je voulais essayer de me mettre à sa place. C'était plus une histoire de se mettre dans sa tête, plutôt que d'essayer de reproduire sa musique. Bien que le but final était de reproduire sa musique. Mais je voulais comprendre dans quel état d'esprit il était. Et donc pour ça, je me suis dit, il faut que je refasse note à note ce qu'il produit. J'étais beaucoup influencé par la musique qu'écoutait mon grand frère. Et il écoutait beaucoup de punk rock dans les années 90, qu'on peut appeler le punk à roulette. Donc des groupes comme NoFX, Bad Religion, Offspring. Et j'aimais beaucoup ça.
Et après, j'ai écouté beaucoup de musique pop, enfin rock. Et les deux grands groupes qui m'ont influencé pour mon apprentissage de la basse, c'est les Red Hot Chili Peppers et Rage Against the Machine. C'est vraiment les deux groupes qui m'ont... je prenais les albums et je jouais par-dessus les albums pour apprendre. Et c'est vraiment les groupes qui m'ont façonné, qui ont façonné mon jeu. La vraie première découverte, c'était Nirvana. C'était la première claque. Il y a eu Queen. Il y a eu Aerosmith à l'époque, Metallica, c'était des choses qui étaient, la musique, tout que je me suis approprié à cette époque, c'était celle-ci. Des choses qui sont loin du sax. Complètement, c'est d'où l'arrêt, du coup, à un moment donné, je découvre la musique autrement que par la pratique, juste par l'écoute et les échanges avec les amis. Du coup, j'écoute ça, le sax est un petit peu de côté, et puis à un moment donné, je découvre d'autres choses de groupe en groupe. On découvre comme ça le fait pour tout le monde. On a un groupe, on amène un autre, et je découvre d'autres choses. Et je me retrouve chez un disquaire où je demande qu'est-ce qu'il faut écouter, en gros, hein, pour comprendre un petit peu le jazz, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben ouais, parce que là, à ce moment-là, j'ai grandi et j'ai envie de... Les horizons s'ouvrent un petit peu. Et il y a la découverte d'un groupe, de plusieurs groupes, mais je me rappelle de deux choses, de Roy Hargrove à la trompette et puis d'un groupe qui s'appelle Happy Apple, qui m'a complètement retourné. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la musique qui me faisait vibrer, la musique que j'avais envie de faire, du coup, de refaire à ce moment-là, c'était de la musique métissée, c'était de la musique avec des influences qui étaient justement multiples. La synthèse un peu de tout ça s'est faite à ce moment-là. 17-18, grosse claque musicale et on y va à fond. Oui, rapidement, j'ai eu des bonnes sensations de musique en groupe. Parce que déjà, la musique, avant d'en jouer, donc quand je suis rentré au lycée, j'avais 15 ans. Et ça me faisait déjà des frissons, la musique, en l'écoutant. Donc en la jouant, ça a décuplé ce ressenti, ce sentiment. Et rapidement, avec mon premier groupe, Intercity Flight, j'ai tout de suite eu des super sensations de jeu avec des amis, avec mes potes, quoi. Après, musicalement, un ami, j'avais 12 ans, me vend ma première guitare, une Paul Boucher copie SG, et me prend dans son groupe alors que je savais quasiment pas encore jouer ni le Do, ni le Ré. Et puis du coup, j'ai appris assez rapidement parce que j'étais le plus jeune, j'avais 12 ans, quoi. C'était à 200 mètres de chez moi, je rassure les parents qui ont peur que leurs enfants sortent. C'était pas très loin de chez moi et ça m'a permis de tout de suite, en fait, finalement, commencer à apprendre à jouer de la guitare et en même temps à jouer dans un groupe. C'est-à-dire que j'avais un batteur, il y avait un bassiste, il y avait un autre guitariste qui était bien plus âgé que moi. Et donc du coup, c'est une motivation, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là que la motivation était là, parce que du coup, tu n'es pas tout seul dans ta chambre. Donc c'est vraiment un conseil, si j'ai très humblement des conseils à donner, mais de tout de suite, le plus rapidement, de monter un groupe ou au moins de jouer avec un batteur, qu'on soit pianiste, qu'on soit guitariste, peu importe l'instrument qu'on fait, pour qu'il y ait une synergie, parce qu'en fait la musique, c'est, enfin pour moi, c'est vraiment un échange d'émotions. L'essence d'être musicien, c'est comme les sportifs, c'est un esprit d'équipe. Et un esprit d'équipe, il faut être au moins deux, voire trois. Donc voilà, c'est mon expérience personnelle d'avoir eu cette chance de jouer dans un groupe à l'âge de 12 ans et je savais même pas encore faire les barrés, quoi. Donc en fonction des chansons, s'il y avait un barré, je le jouais pas. Shepherd.
jamais eu la prétention ou l'ambition d'être musicien professionnel, mais ça a toujours gravité, j'ai toujours baigné dedans. J'ai souvent été sollicité pour jouer avec des potes, avec des connaissances. J'ai donné des cours aussi pendant un certain nombre d'années. Et puis du coup, petit à petit, les groupes et les concerts, ça a pris plus de place et ça a fini par devenir mon activité professionnelle principale. Depuis maintenant 4-5 ans, je fais que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu commences à savoir jouer de mieux en mieux de la guitare. Et puis moi, j'habitais à Lyon, je suis originaire de Lyon, salut les Lyonnais et les Lyonnaises. J'ai rencontré une chanteuse à l'époque qui s'appelait Catherine Chona, qui avait fait un album chez EMI, qui cherchait un guitariste. Donc là, j'étais plus dans la... J'avais 17-18 ans à peu près, donc on partait répéter du côté de Vienne, etc. Salut Catherine. Et ça a été, pour le coup, ma première vraie expérience professionnelle, parce qu'on répétait sur Lyon, mais on a été faire des showcases, quelques showcases sur Paris. Elle venait de sortir un single qui s'appelait Elodie Mon Rêve à l'époque, donc. Et on a fait quelques concerts, j'étais monté plusieurs fois à Paris faire des rendez-vous en maison de disques. Donc j'ai pu commencer à avoir une approche vraiment plus professionnelle. Et c'est là que je me suis dit, oui, je veux faire ça, je veux faire ce métier-là. Je ne sais pas si je me dis je vais en faire un métier. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'en faire plus et plus et plus et plus. Et avec d'autres personnes et voilà. Donc en fait, je ne fais que ça. À un moment donné, je décide de ne faire que ça et donc de rentrer dans une école de musique de nouveau à Chambéry, puis l'entre-conservatoire de Chambéry. Donc en fait, on reprend une espèce de cursus un petit peu coupé à un moment donné. Je reprends ce cursus-là. C'est plus par passion. Ouais, clairement. Du coup, c'est un véritable choix d'adulte en fait, hein. Enfin, de jeune adulte quoi. Et puis là, beaucoup de projets, beaucoup de gens rencontrés, beaucoup de projets, beaucoup d'influences. Je crois que ce qui résumerait, moi, ce qui me fait faire de la musique aujourd'hui, c'est les rencontres et surtout les mélanges, les influences, les différentes influences. Je suis pas un musicien spécialisé ou je sais pas d'un type de musique. J'aime que ça se mélange. Et le sax permet, tous les instruments permettent ça. Mais le sax, on peut le mettre de partout, quoi. On peut le mettre de partout. Moi, mon parcours, je me rends compte, en fait, c'est que j'ai appris relativement tard. Il y a des choses que j'avais appris qui n'étaient pas du tout restées. Et puis, quand je me le suis approprié, ça a fait sens. Il y a beaucoup de choses qui ont fait sens. Et à ce moment-là, on le met en application. J'entends de nouveau parler de certaines notions. On le met en application tout de suite et ça va très, très vite. Alors, après, tu as plusieurs facettes de ce métier, c'est-à-dire quand tu commences un instrument, que tu sois batteur, pianiste, etc., tu te projettes en disant « je vais montrer au monde de quoi je suis capable » parce que c'est un peu aussi une compétition, on a envie de se prouver quelque chose à soi-même. C'est là qu'il y a un moment donné où le chemin, il y a une scission entre là où tu te vois, c'est-à-dire moi je voulais être le nouveau Ritchie Blackmore, je voulais être le nouveau David Gilmour avec un groupe, faire des tournées dans le monde entier et j'adore ce que je fais depuis des années, mais finalement je me suis rendu compte que le fait de se mettre au service des artistes, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc je travaillais avec Catherine, cette chanteuse-là, donc c'était, on va dire, variété française, il y a des codes. C'est-à-dire que dans ce genre de musique, on est en France, on n'est pas à Nashville, chaque pays a ses codes, ses sons, etc. Donc, l'apprentissage de ce genre de choses fait que tu es obligé d'ouvrir tes oreilles en grand pour faire ce qu'on te demande, tout simplement. Et c'est un travail qui est extrêmement difficile. Parce que quand tu pars du principe que David Gilmour, on va dire, il a 3 ou 4 sons de guitare, Ritchie Blackmore, il a 3 ou 4 sons de guitare, et quand tu te retrouves sur une tournée comme ça, il faut que tu en aies 40. Ça veut dire qu'il faut que tu aies beaucoup de guitare, une Telecaster, une Strat, une Les Paul. Donc, finalement, c'est un métier qui fait du bien au cerveau parce que tu es toujours obligé de te remettre en question. Donc, du coup, il n'y a jamais de répit. Alors, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu fatigant, mais c'est très bon pour le cerveau, tu es toujours en ébullition, tu cherches des nouvelles pédales, c'est comme ça que tu deviens un peu geek du matos, un nouvel ampli. Concrètement, je jouais déjà dans une petite école de musique à côté de là où j'habite, la Saint-Jean-de-Bournay. Donc j'avais déjà des notions d'accords et d'harmonie de jazz, mais pas au niveau de professionnels tels que ce genre de musicien. Je savais déjà jouer un petit peu en groupe, trouver les synchronisations entre musiciens, parce qu'il faut arriver à comprendre l'autre pour bien se placer et trouver une joie quelque part à jouer ensemble. Donc ça, je l'ai appris avec cette,
cette école de musique. Pendant pas mal d'années, je jouais avec d'autres, mais c'était jamais ça. De toute façon, ce que je peux remarquer, c'est qu'on est souvent déçu quand on joue avec d'autres. Il faut persévérer et ne jamais baisser les bras. Et en fait, la première fois que ce fut jouissif, c'est ça dont tu... Je pense que c'était quand je travaillais avec mon frère fait un peu de guitare. Et on a toujours fait un peu de musique ensemble. Et contrairement à trouver de la joie avec un gros groupe, je l'ai trouvé plutôt dans l'intimité, à peu de joueurs. Ouais. Bon, c'est mon frère, c'est un peu plus fusionnel. D'ailleurs, je pense que ça fait partie de notre relation en dehors de la famille. C'est la musique qui aussi nous rassemble. Et je crois que j'éprouvais autant de joie à jouer avec lui qu'avec les grands groupes. Ouais. Après, il y a différents degrés de plaisir, on va dire. Mais globalement, je pense que pour le faire sincèrement, pour jouer un répertoire sincèrement, même des morceaux qui me plaisent pas spécialement dans certains répertoires, je pense qu'il faut les jouer avec beaucoup de sincérité, avec les tripes pour que ce soit bien fait. Donc ouais, j'arrive à prendre toujours beaucoup de plaisir, même sur des musiques un peu merdiques des fois. Bah, mes plus grandes sensations de jeu, c'est quand on est sur scène, quand on joue sur scène avec mon groupe Nico Shona and the Fresh Tones. Je sais pas si tu connais, c'est un groupe blues rock. Et c'est vrai que quand on est sur scène devant du monde, quand on fait tourner la machine avec Nico Yamé à la batterie derrière, ça fait le rouleau compresseur qui arrive. Et là, c'est vrai qu'on est un peu le cerveau en mode off, un peu déconnecté. Et ça fait, ouais, c'est peut-être presque un état second. Ça fait des sensations uniques. Je me rappelle des premières sensations vraiment hyper fortes, très sympas en faisant de la musique. C'était un vrai sentiment de liberté. Réellement, moi, c'était la section ou alors un thème ou quelque chose. Je joue et à un moment donné, on me dit tu peux y aller. C'est un moment un peu à toi. C'est une impro, un chorus, un solo. Et puis tu y vas et ça se passe bien. Et c'est un vrai sentiment un vrai kiff parce que j'ai l'impression de faire quelque chose sur le moment qui est chouette, qui est vraiment bien. Après, bah on le refait, donc fatalement ça perd peut-être de sa saveur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut continuer toujours à rencontrer de nouvelles personnes, jouer dans différents contextes, en tout cas pour moi, de nouveaux styles, de nouvelles choses, parce qu'on retrouve ça, on retrouve les sensations de découvrir quelque chose en fait, de se dire je suis en train de faire un truc qui marche et qui est hyper excitant. Non mais tu vois, c'est le côté comme à un moment donné tu t'appropries les choses, et moi je trouve que c'est ça, c'est-à-dire que le côté je fais de la musique depuis tout petit, la tête baissée ou quoi, ça n'a pas mon expérience, et je pense que c'est pas l'expérience de beaucoup de gens. Je pense que c'est intéressant de se dire à un moment donné on peut faire une pause et se réapproprier les choses, arriver à la même chose de manière différente en fait. Et donc, je sais pas ce que tu garderas de ça, mais moi je me dis que c'est intéressant. Enfin, le fait de faire une pause pour s'approprier les choses et revenir après dans une toute autre démarche, c'est constructif en fait. Quoi. Depuis que je fais ce métier, donc depuis 1998, je suis parti de Lyon, je suis monté sur Paris pour faire ce métier-là, donc au service des artistes. J'ai toujours eu à côté un groupe, essentiellement blues ou rock, pour justement avoir même si on ne fait pas énormément de concerts avec ce groupe, mais au moins on va répéter, je compose des chansons, ça me permet de switcher sur autre chose, de redevenir le Richie Blackmore qui est en moi quand j'étais jeune ou autre, pour justement ne pas oublier pourquoi tu as commencé à faire ce métier-là et pourquoi surtout tu continues à faire de la musique. C'est-à-dire que je travaille en ce moment, je suis en tournée avec Patrick Fiori jusqu'au mois de décembre, donc j'ai un registre, il faut que j'évolue dans ce registre-là pour Patrick. Mais quand je rentre chez moi, je reprends ma Les Paul, je joue pendant 2 heures du blues. Dans 15 jours, on va répéter avec les copains pour cette formule blues. Et même si je sais que je n'attends pas grand-chose de plus que de faire 2 ou 3 concerts, mais au moins tu as une soupape pour te rappeler pourquoi tu as commencé ce métier-là, pourquoi tu continues et pourquoi surtout tu es content de le faire. Les sensations qui me transportent, je dirais qu'elles passent par déjà me concentrer avant de commencer à jouer. Et quelle histoire je vais raconter ? Voilà. Je me pose cette question-là. Souvent, c'est raté. Mais les fois où ça réussit, je me suis dit, j'ai pris le temps de réfléchir à comment je vais annoncer mon introduction,
comment je vais raconter la première partie de l'histoire, et puis comment l'apothéose va arriver, et la conclusion. Alors des fois on y pense, des fois on n'y pense pas, c'est la différence entre ceux qui s'entraînent bien à faire ça et ceux qui ne le font pas. C'est... Je pense que je ne suis pas encore assez expérimenté, il faut continuer ma progression. Ah bah c'est peut-être même pas, bizarrement avec le groupe de compo, c'est peut-être même avec le groupe de reprise cash, je sais pas, il y a des soirs où l'alchimie de la soirée, l'alcool aidant un petit peu, l'atmosphère qu'il peut y avoir, l'énergie qu'on déploie, les grosses scènes qu'on a pu faire avec cash, j'ai eu des sensations, ouais, vraiment, il y avait... J'avais pas conscience qu'il y avait un public ou quoi, c'était juste qu'on prenait vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et là, je crois que ça a été une des plus belles, un des plus beaux moments. Le fait de prendre la guitare, pour répondre à ta question, pourquoi je continue à faire ce métier-là, de prendre une guitare, de la brancher dans un ampli et d'entendre les capacités musicales de l'instrument, je peux pas faire autrement que de continuer à jouer de la guitare parce que c'est... C'est une extension de moi-même, comme beaucoup de musiciens. Mais surtout, c'est le fait de monter sur scène. Tu travailles, on va dire, pendant 15 jours, tu travailles tes chansons avec tes amis, tu prépares tout le concert, tu montes sur scène, tu commences à faire la première chanson, puis là, tu vois que le public qui vient, que ce soit pour Patrick Fiori, Florent Pagny ou pour mon petit groupe de blues, tu vois que d'un coup, tout de suite, les gens ont la banane, se mettent à sourire. Et ça, pour moi, c'est l'essence même d'être musicien. C'est-à-dire que si tu as touché deux personnes parce que tu as fait un super solo de guitare pendant 2 minutes 30, c'est pas beaucoup dans toute une vie. Mais si ces 2 minutes 30 ont permis, hein, tu regardes, tu fais « Waouh, je suis une roi !» Et puis tu vois les gens qui sont tous sourires, ben moi je dors bien la nuit parce que c'est ça. C'est ce qui nous fait avancer, je pense, nous les musiciens, les artistes. Je pense que c'est pareil pour les sportifs, quand ils arrivent à accomplir deux fois le tour du stade en moins de 2 minutes, puis tout le monde a applaudi, c'est de l'adrénaline pure et... Et puis ça fait plaisir parce que tu as travaillé pour pouvoir passer ce solo. Tiens, c'est dur ce truc-là, mais je vais y aller, je vais le travailler. Et puis un jour, tu joues sur scène, tu vois, et là, les gens font « Waouh, super !» Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Oui, on essaye de se comprendre et de savoir où on veut aller. Mais pour pouvoir bien échanger ce genre de choses, il faut quand même qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'une personne qui voit pas, qui ne verrait pas où je veux aller, ben, ça ne marchera pas, ça plantera. Il faut que cette personne-là ait aussi fait la même démarche. C'est pas une histoire, c'est pas de l'arrogance ou de la pédance de ma part. C'est pour essayer de monter ensemble vers l'ultime musique, la mélodie sacrée, si je puis dire. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, il faut trouver les bons musiciens. Ça m'est arrivé de jouer avec des musiciens comme ça. Moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est la beauté. Donc, la beauté que je trouve dans la musique, c'est à la fois... Alors, je ne veux pas paraître présomptueux, il y a de la physique, j'aime bien les mathématiques, j'aime bien ce qui tourne à nous faire réfléchir, comment s'imbriquent toutes ces briques, justement, tous ces blocs de mélodie. Et... je pense que quelque part, c'est pour faire résonner la mélodie qui doit être en moi, qui est cachée, je ne sais pas. À un moment, il y a un déclic et on se sent bien, on se sent ailleurs. On n'a pas envie de vivre autre chose sur l'instant. Finalement, c'est un instant présent qu'on aimerait éternel. Je ne sais pas si... Voilà.